Salut les gens, on se retrouve. Non, faut attendre un peu. Voilà, salut les gens, on se retrouve pour l'épisode The Forest. Voilà, ultimatum. Je sais pas pourquoi je dis ça. Sans montage, cette fois en fait, ce sera sans montage, ce sera avec un pote. Et j'ai juste envie de commencer tout de suite en fait. Bon, ce jeu nous a fait un tas de traces, mais bon. Alors, ouais. Vous voyez, ça c'était ma partie. Super évolué. Zero Day. Un nouveau jeu du coup. C'est parti. Allez, on se met un peu dans le replay du jeu. S'il veut bien se lancer. Allez, c'est parti. On fait en ligne pour pouvoir jouer avec mon pote. Je jouerai ce soir avec lui. Je vais peut-être tourner, enfin je vais tourner un épisode. Ouais, je me dis, je vais tourner un épisode maintenant. Après, on le trouvera dans la forêt, hein. Quelque part. Putain, qu'est-ce que je dis moi? Bon allez, ça charge. J'ai plus le bouton pause. Un bouton pause F8. Oh non. D'accord. C'est marqué quoi alors? C'est un film apparemment qu'a devant sur l'écran. Là on est dans le ciel, il y a des turbulences. Oh putain. Oh putain, il chute là. Il perd de l'altitude. Je suis stressé, je suis pas bien. Oh non, je suis pas bien. Ah, je l'ai dit. Non, je suis pas bien. Ta gueule. Ah putain. Ça va de partout. Merde, la forêt, putain. On est dans. Ouah, un village. Un village hindou. On vient de voir un village hindou, putain. Oh non, putain. Oh, l'avion, il a fait comme ça et tout. Écran noir. Parce que moi, au début, j'y avais déjà fait l'intro plusieurs fois, mais je regardais pas par le hublot et tout, puis. En fait, c'est chiant quand tu regardes tout, tu vois tout. Un putain de sauvage. Il est rouge cette fois. Avant, il était blanc. Il est couvert de sang, on dirait. Voilà. En fait, ce jeu, au début, on peut se dire il est chiant et tout, faut faire que survivre. En fait, il y a un tas de trucs qu'on peut faire, étant donné aussi tout ce qu'on peut construire. Attends, je change les couleurs, voilà. Tout ce qu'on peut construire en fait enfin il n'y a pas et enfin il y en a quand même pas mal mais il n'y a pas énormément énormément de choix dans tout ça mais en fait avec tout ça on peut faire des bases de ouf quoi. D'accord. Allons-y. On va ouvrir un max de valises. Je viens de me dire que je suis seul et que là j'ai rien pour l'instant. Alors, je sais pas comment on va s'y prendre. Ce qui est sûr, c'est que quand mon pote arrivera, tu vas voir Alan qui va atterrir avec un parachute. Ouais, le nom de mon pote c'est Alan, il faudra vous y faire. Et lui, il va m'appeler sûrement Eloi, parce que c'est mon vrai nom. Du coup, voilà. Bref. Ouvrir un max de valises, après on va se faire. On va peut-être se faire un campement dans l'avion. Ça qu'on est. Juste comme ça pour le début. Après, dès que mon pote arrivera pour le premier épisode. Dès que mon pote arrivera, on bougera. Ah, je vais tourner cet épisode à la Bodyguard Game Online. Enfin, cette série, je veux dire. Sous le même format. Oh. Voilà. Ah, je suis quand même dégoûté pour la base, mais après, en sauvegardant, je vais peut-être alterner les sauvegardes comme j'avais dit. Ça va peut-être marcher. Une valise, ça? Non, très bien. On a quoi dans l'inventaire? Oh, on n'a pas grand-chose. On va peut-être commencer de mettre la maison. Ah oui, mais du coup, est-ce qu'on peut niquer le game?
Ouais, on peut. Très bien, très bien. Normalement, faut mettre des trucs suffisants. Après, j'ai peur d'être bloqué s'il y a des ennemis, quoi. Ah, c'est un dur choix. Attends, mais cette porte, elle était ouverte à un moment. J'ai vu dans une partie, elle était ouverte. Même que le mec est rentré par là aussi. Ouais. Enfin bon. Alors, petit abri. Pas l'abri d'une nuit, parce que lui, au bout d'une nuit, il casse. Je crois que lui, il casse pas, c'est juste qu'il est petit. Puff, 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 on va le mettre. Écoutez, écoutez. Squattage. Squattage, quoi. Attends. Ah, bordel. Attends. Ah, ça fait chier. D'accord. Des pierres et des rondins de bois. Des pierres, il y en a de partout, hein. C'est facile. Des rondins de bois. Il va falloir en abattre deux. Ça suffira. Voilà la qualité audio. Là, elle est pourrie. Je tourne vraiment cet épisode à l'arrache, en fait. C'est avec le son de ma Dafcam Studio. Donc voilà, le son est pas super. Mais j'optimiserai un minimum ça pour le prochain épisode. Voilà, c'est marqué COP sur le titre, mais je suis désolé. De toute façon, je ferai en COP après, hein, bien assez vite. C'est pas un petit épisode qui va. Voilà quoi. Et vous verrez, c'est sympa avec Alan. On se tape plein de délire et tout. D'accord. Ouais, ça risque d'être sympa cette série. Pierre, pierre, pierre. Tiens. Des pierres là, il y en a une. Non. Ah, j'en vois de partout. Voilà. C'est latence. Cette petite latence, je veux dire. Ah. Laissez-moi monter. Attends, il faut les deux mains sur le clavier. Ça va beaucoup mieux. Easy, un bout de bois, c'est bon. Ouais, bon, on s'en fout du deuxième. Hop, saute, saute, saute. Comme un con, j'ai tout bouffé, la réserve de bouffe. Oh là là. Je suis en train de me questionner sur ce que je vais faire. En ce moment, tout seul, quoi. Je vais récolter de la viande, écouter, puis faire un feu. C'est les trucs que je vais faire. Le prochain truc. Une biche. Putain, avec cette hache, quoi, c'est chaud. C'est impossible, même. Je récolte des trucs. Puff, puff, puff. Le feu. Les champignons, ils sont bons. Non, ça avait pas l'air bon. Je vais boire ça. Écoutez, on est full là. Enfin, pas en armure. L'armure, en fait, c'est le truc à côté de la vie. Il y a un petit truc jaune, ça c'est l'armure. Ah, saute.
Non mais ça fait chier par contre de monter comme ça. Je pourrais construire un petit escalier mais ça vaut quand même pas mal en bois. En fait plus on évolue dans le monde, plus on a envie de continuer et tout parce que quand on a déjà une base avec les pics, s'il te plaît monte là. Quand on a déjà une base avec des pics, avec je veux dire des palissades en pic, et ben ça. Une maison, plein de trucs dedans, on a encore plus envie de construire des tours, des trucs comme ça, et ça se fait plus vite quoi, c'est bien. Puis après aussi, rien que dans le deuxième monde, on avait passé 50 heures de jeu, on avait dépassé 50 heures de jeu, puis on n'avait toujours pas construit la deuxième base. Mais là, on va peut-être aller un peu plus vite et construire une petite deuxième base et tout, mais tout en gardant un QG, voilà. Le feu. Alors on va se faire un petit feu. Moi je vois déjà le feu que je veux faire. Voilà. Un feu comme ça en pierre. Parce que autrement un feu en bois ça. Enfin que avec le bois là, ça sans les pierres, ça dure pas longtemps. Dans cette pierre. Des pierres. Putain, les pierres, c'est chiant à trouver quand même. Même si on en a plein, quoi. On peut en transporter que 5 aussi. Attends, faut faire comment? Faut que je trouve la technique sur. D'accord. C'est peut-être que là et. Ah non. Putain, cette galère quoi. Laissez-moi monter. Oh, on a raison. Voilà. Faut spammer un peu. Allez, il va manquer une pierre. Merde. Attends, il y avait un truc là. Ah ouais, j'ai une petite réserve de bouffe quand même. Ça fait plaisir. J'ouvre les valises tant que j'y suis, si on a. Une fleur. Donc avec les fleurs on peut crafter des médocs mais il faut une autre fleur avec. La viande de biche. Ah merde. Viens là bordel. Oh non, elle va m'amener vers les sauvages et tout. À chaque fois les biches elles fuient et tout puis tu te retrouves dans un village sauvage. Tu sais plus ce qui t'arrive quoi. Faut que je trouve la pause là. Si y en a une. Parce qu'à un moment, si je dois mettre la pause là, vu que je fais pas de montage, faudrait que je puisse. Voilà. Il faudrait aussi que je sache la durée de l'épisode. Là, je vais en avoir aucune idée. Ce sera comme ça la durée quoi. À la. Ça sera. Pas à la minute près. Là, je pense qu'il va être plutôt court hein, cet épisode. Pas plus de 30 minutes, je pense. Un truc comme ça. Vu que c'est le petit début, comme ça. On a un beau petit feu là. Ouais, ça éclaire là. Ça éclaire partout. C'est bien. Et là tu vois ça commence à cramer et tout. Mais non voyons. On a de quoi bouffer assez longtemps mais il faudrait quand même chasser un peu de viande histoire de faire genre. Et de garder nos ressources quand même. Après c'est sûr que tu. En fait là si tu te fais tuer par des ennemis, ils vont te tuer, après tu vas réapparaître dans l'avion, puis tu vas devoir récupérer ton sac où t'es mort. Après t'as tout ce que t'as récupéré mais s'ils sont encore là c'est assez chiant. Voilà. Et après là je vais récupérer des médocs. Ça te restaure pas mal de vie. Non, ils sont rouges, on va éviter. Viens là. Là il y en a une.
Le caribou des montagnes de la forêt, oui. On va explorer un peu, mais pas trop loin en fait. On va explorer, genre, enfin, on va voir quoi. Wow. Ah oui, là il y a un appareil photo, tout ça. Sérieusement, je commence à connaître presque par cœur la map de The Forest, hein, qui est en fait à chaque endroit, t'as des trucs et tout. Par contre, je sais pas quand elle s'arrête. Je sais qu'il y a une montagne, et ça c'est vraiment bien la montagne. C'est l'arrière, ça. Oh, ouais. Dès que la nuit va se coucher, de toute façon, on va rentrer. Là, ça devrait pas très tarder. Une pierre, voilà. Une araignée dessous. Wow, j'aurais. Ce serait possible de la tuer, là, j'aurais eu. Donc, de la biche. Ah, mais c'est pas très possible de avec ça. À la limite, avec le katana et la lance, ça se tente. Enfin, c'est même fa assez facile, ou même l'arc. Mais après, voilà. Le mieux, c'est le katana quand même. Oh, ou quand la biche est buggée, voilà. La viande. Bon, on a fait le plein là. La viande. On va même mettre la petite armure là. Vous voyez, c'est une armure de résistance, je crois, quand c'est en orange comme ça. Ah, si elle est sauvage, tu fais quoi, Ivo? T'es bloqué. T'es carrément bloqué. Ah non! Je suis dans la merde s'ils arrivent. Voilà. Wow. On va se faire cuire une petite viande. Hein. Que une. Parce qu'elle pourrit aussi la viande. On voit une biche dans les hublots, quoi, c'est bien fait. Alors on aurait, franchement, on a de quoi survivre en bouffe. Réflexion. 2-3 jours, voire 4. Enfin ouais, 3-4 jours plutôt. Hop, on alimente le feu, je crois que c'est. Ouais, ça commence à. La luminosité commence à se baisser, ça va être la nuit. D'accord. Ouais, la nuit arrive, on va pouvoir dormir aussi. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire là pour mon petit campement aussi. Aménager l'avion, mais après je sais pas, c'est pas très ambitieux. Après c'est au début quoi qu'on va faire ça, mais bon quand même. Ouais, je vais aménager l'intérieur avec quoi? Attends, ça c'est pour les médocs. Ouais, je vais prendre ça. Ah oui, mais c'est en bois. Ah merde, on va pas redescendre quoi. Ah, je veux juste un petit truc moi. Au pire, je vais commencer à fabriquer des chariots pour quand elle en arrivera, quand on pourra partir hein, comme ça avec des chariots. On pourra partir loin quoi. Quand on aura déjà les chariots de fait, ça évitera un peu de boulot en fait. Je vais essayer de nous faciliter la vie. Voilà, la nuit elle tombe quand même, je suis redescendu. Prise de risque. De risque. Hop. Ouais, il y a de l'orage. Je suis désolé, j'aime pas l'orage. Enfin, surtout qu'il y a des ennemis qui arrivent quand il y a l'orage. Et j'aime pas les ennemis en fait. L'orage, je m'en fous, tu vois, mais après, les ennemis, ils te dégomment au début. Enfin, surtout à plusieurs. Même avec un katana, deux ennemis,
C'est pas non plus très dur à gérer, mais ça commence quoi. Je vais dormir. Je vais attendre un peu quoi, parce que sinon ça va faire le truc où en fait on se réveille, il est minuit quoi. Attendre un peu. Pour l'instant, aucun truc de sauvage. Il n'y a pas le son. Merde, il n'y a pas le son, ouais. Oh, déplacement. Ig. Low. Attends, je vais mettre Ig, ouais, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, j'ai envie de me dire. Merde, attends, ça vient d'où qu'il n'y ait pas le son comme ça? C'est du K-Bug ou. Genre, je vais voir, je reviens. Oh fuck! Il y a le son, c'est bon. Putain, quel con! Oh, il n'y a plus de feu maintenant. Ouais, en gros, maintenant il y a le son, je suis vraiment désolé. Au début, il n'y avait pas le son. Mais du coup, je suis sur mes enceintes là. Vous entendrez peut-être un petit double. Mais je vais optimiser tout ça au deuxième épisode. De toute façon, cette série, je vais essayer de la faire quand même plus tranquille, mais en optimisant quand même assez bien. On va pas tarder à dormir là, dans 1 ou 2 minutes. Il manque surtout, enfin, des bâtonnets. Mais c'est la merde niveau bâtonnets. Ah, on peut faire des molotovs. Ah, je vais garder ça pour boire, on sait jamais. L'énergie, ça donne. Ah bah c'est pour ça donne de la soif. Enfin, de l'eau quoi. Allez, on va dormir. Voilà, le petit matin qui arrive, c'est. Enfin, qui est là même. C'est cool. Sauvegarde. Sur le 1. Je vais alterner hein, pour essayer de faire que ça bug pas quoi. Je la supprime pas tout. Ok, c'était rien. D'accord, on a fait un chariot. Je vais récolter les bâtons pour le feu, là ça devrait être bon. Vraiment que je fasse un truc, hein. Je vais fabriquer un petit escalier. Ah putain, fais chier. Voilà, on l'allumera quand il fera nuit. Je vais faire un escalier juste pour que je puisse monter plus rapidement. Comme ça ira. Ça devrait aller comme ça. De quoi? Ah oui, d'accord, c'est ce genre d'escalier là. Bah attends. Parce que ce genre d'escalier là, il est un peu mal foutu. Voilà, c'est fini. Oh, 11 bouts de bois quoi. On a commencé par les bouts de bois qu'on a abattus. Hein. Au début, les sauvages ils sont beaucoup moins agressifs en fait. Parce que ils ont fait assez une espèce intelligente sur le forest. Au début, les sauvages ils vont tourner autour et tout, ils vont un peu te taper. Mais après, quand tu commences à les tuer, à faire ta base, tout ça, à couper des arbres peut-être, là ils défoncent vraiment tout. Ils foncent dessus direct. Ah d'accord, on n'a pas bouffé. Allez, une petite barre comme ça. Et un peu d'alcool. Ah, ça restaure la vie aussi. Allez, il en manque 5. Ah oh bah lui, il a déjà commencé, super.
Bah attends, comment ça? J'ai pas compris. Ah, il y en avait deux, hein. Attends, alors ça a bugué quand on va faire ça. Ah non, même pas. Voilà, je crois qu'on va le finir avec ça. Et... Tadam! Direct, ah ouais. Ouais, il est bien fait en plus, le petit truc de métal, ça ajuste là. Super. Ah, par contre, les sauvages, ils peuvent. Hein. Ah, ils peuvent le détruire, mais je pense pas qu'ils vont monter. Je dis ça par expérience, hein, je le dis pas comme ça. On va aussi maintenant là je vais continuer d'optimiser l'arrivée d'Alan pour les prochains épisodes. Je vais investir donc dans un chariot, hein, vu qu'on va en avoir deux de toute façon. On va en prendre deux. Ah, il est bloqué. Pousse-toi. Attends, faut le tourner peut-être un peu comme ça. Attends, je vais le conduire. Pour le mettre un peu là. Conduire un chariot. Voilà. 10 sur 21. Oh, on donne pas un coup de pied dans la valise, c'est pas parce que il faut aussi beaucoup que t'es énervé. Ça fait un bruit de métal quand je suis passé là. Un petit bâton, écoute, on va le trouver par terre. Voilà, le petit bâton pour de direction pour le prendre. Et hop là. Super. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Ce qu'on pourrait investir. De toute façon, on va prendre les chariots, on va aller peut-être assez loin d'ici. Qu'on ne peut pas rester très près de l'avion. On risque d'aller vers une falaise, vers la plage. Mais bon, nous, on va construire plutôt en haut de la falaise, en fait. Alors, ben, je peux investir dans des bouts de bois, écoute, hein, que je vais couper puis mettre dedans. Ouais, c'est chiant les clics, hein. On va se bouffer une petite barre de sneakers. Non mais ça coupe là. J'ai pas l'impression que ça coupe. Moi je sais pas si ça coupe vraiment en fait. C'est bon, on était assez près quand même. Ah oui, je tenais aussi à remercier Brandon qui m'a fait une petite. Enfin, qui m'a présenté ma chaîne dans une de ses vidéos pub. Voilà, voilà. Même si ce qu'il a présenté c'était la première vidéo, quoi. Aussi, le truc qu'il fallait pas voir. Puis The Forest Partie 1, truc assez chiant.
Et bon, voilà, je le remercie. Ah mais on coupe là. Je sais même pas si on coupe. Je crois qu'il faut tourner avec cette hache. Hein. Parce que je sais qu'avec attends. La plus. Oh, je sais plus laquelle. L'autre, la grosse en fer qu'on trouve dans la mine. Ça prenait pas beaucoup de temps. Et je tournais pas. Ouais, on a fait une bonne récolte. Récolter des bouts de bois. On va appeler ça rondin plutôt. Hein, parce que bout de bois, ça veut pas dire grand chose. Tac. Ah, ça fait plaisir. Là, on va partir direct. On va avoir 2-3 ressources quoi. Ah oui, aussi je vais faire peut-être un peu un plein de bouffe de médoc comme ça pour que quand on parte on soit pareil. Je sais pas si je pourrais y faire aujourd'hui, le soleil. Si ça devrait être possible. Là il est bientôt midi. Ok, le bout de bois il fait sa vie quoi. Il s'est projeté là-bas. Bon alors on va voir l'étagère du coup qu'on voulait construire tout à l'heure. Quoique je sais pas si c'est une bonne idée hein, parce que il y a déjà les valises tout ça. Je sais pas, je sais pas. De toute façon je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose de plus. On va juste partir comme ça. Bah tu tournes. Ah non, elle est ouverte, d'accord. Bon, on va juste partir comme ça, quoi. Avec les deux chariots. Voilà. Bon, bah, ce soir, normalement, je sais pas si c'est ce soir, mais normalement, je jouerai avec Alan. Bah, ce soir ou demain. Puis pour tourner le deuxième épisode, voilà. Donc pour l'instant, là ce court épisode je vais le poster sur YouTube. Voilà, j'allume le petit feu en fait, je vais sauvegarder. Et voilà, et ce sera la fin de l'épisode. Sauvegarder sur... Je vais alterner mais peut-être pas trop au début. Parce que... Voilà, ça marche très bien. Donc voilà, allez, tchuss à l'épisode 2. À la prochaine, qui sortira dans sûrement pas trop plus d'une semaine quoi. Allez, tchuss, passez une bonne journée.